Tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test d'une trottinette qui laissera personne indifférent, la Cruzade Escape. Donc c'est un nouveau modèle, c'est un mix entre un vélo et une trottinette. Donc on a des roues en 16 pouces à l'avant, 12 pouces à l'arrière. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu le confort et la fluidité de roulement d'un vélo. Et ça c'est quand même intéressant parce que souvent les trottinettes avec des petites roues, bah c'est vrai que c'est un petit peu, bon, c'est pas toujours très très confortable. Alors celle-ci, elle a plusieurs qualités. Déjà, on a une batterie qui est amovible, donc avec un contacteur clé. Donc ça veut dire que la batterie, on peut l'enlever, la charger indépendamment de la trottinette. Ça, c'est cool. On a des freins à disque hydrauliques, donc 160 à l'avant et 140 à l'arrière. On a un guidon qui est réglable en hauteur. Un guidon qui se plie aussi. Alors, de toute façon, je vais vous faire la démonstration un petit peu de tout ce qu'on peut faire. Donc, on va commencer par le guidon. Donc, cette partie-là, le guidon monte et descend. Donc, on peut vraiment le régler à sa taille. Alors, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je suis d'avis à dire que ce n'est pas une trottinette pour des grands gabarits, puisqu'elle est quand même assez compacte. Hein, moi je suis pas très très grand et je trouve qu'elle est bien à ma taille. Je dirais pour quelqu'un d'un mètre 70, 75, 1 m 80 grand max, pas plus. Donc ça c'est à prendre en compte. Ici on a une protection, une sécurité au niveau du loquet comme on a d'habitude, comme un petit peu sur toutes les trottinettes. Donc là on fait une pression ici et une autre pression ici et le guidon se plie de cette façon-là. Donc c'est pratique, hein, vraiment pour la transporter, c'est quand même assez simple pour la mettre dans un coffre de voiture. C'est vraiment très pratique. On a aussi une petite chose, une petite particularité qu'on n'a pas toujours sur les trottinettes. On a une attache rapide comme un vélo et on peut enlever la roue vraiment comme un vélo. L'attache rapide qui est juste ici. Hop. Donc on peut vraiment démonter la roue vraiment simplement. Et ça aussi, je trouve que c'est sympa parce que souvent... Bah, quand on a un problème avec une trottinette, c'est un peu compliqué à changer les pneus, alors que là, ça serait, a priori, c'est facile. Elle est certifiée IPX5, donc ça veut dire qu'on peut rouler sous la pluie avec. Alors, elle est étanche. Alors après, moi, il y a des points où j'ai regardé un petit peu, où je suis un petit peu sceptique, parce que le contrôleur, il est là-dessous, et il y a des points d'entrée ici, hein, donc, puis le garde-boue ne couvre absolument pas cette partie-là. Donc je pense que l'eau peut s'infiltrer très facilement ici. Alors peut-être que les contrôleurs en eux-mêmes sont étanches, mais bon, après je mets toujours des pincettes au niveau de l'étanchéité des trottinettes. Donc on a un phare avant évidemment, comme d'habitude. Alors celle-ci, elle n'a pas de phare arrière. On a une double suspension, alors qui fonctionne très très bien. Voilà la double suspension. Qui fonctionne vraiment bien. Alors c'est vraiment suffisant hein, comme suspension. Hein. C'est vraiment suffisant. Bon, il n'y en a pas à l'avant, mais le pneu fait office de suspension. Donc non, non, c'est vraiment très bien. On a des pneus gonflables à l'avant, à l'arrière. Ce n'est pas des pneus tubeless, c'est des pneus à chambre à air. On a une batterie de 48 volts. Donc 48 volts, 18 ampères, ce qui fait 864 watts-heure. Il suffit simplement de diviser 48 par le... Alors, diviser, non, multiplier le voltage par l'ampérage, et puis ça nous donne la capacité de batterie. Donc c'est 864 watts-heure de batterie. Le constructeur annonce 60 km d'autonomie. Après avoir à l'usage, là je pourrais pas vous dire exactement, mais je pense que 40 km, c'est largement envisageable. Après, on a une charge. C'est vrai que l'avantage des petites batteries, c'est qu'on a une charge qui va relativement vite. On a un chargeur de 2 ampères livré avec. Donc, 864 watts-heure, 2 ampères, ça fait à peu près 5 heures de charge. Donc, c'est relativement court. Donc, moi, je pense que ce genre de trottinette, pour une trottinette taf, pour aller travailler en confort et avec la sécurité quand même des grosses roues, des grandes roues, bah, m'a tapé dans l'œil cette trottinette. Donc là, je vais m'en servir tous les jours pour aller travailler. Et puis, je vous ferai un retour quand elle aura un peu plus de kilomètres. Mais pour l'instant, c'est vraiment une trottinette qui est très fluide et très très sympa à utiliser.
Moi, je suis complètement conquis. Ah oui, je vous ai pas montré, on a aussi un compteur couleur. Alors, je vais peut-être pas vous montrer mon code. Je vais peut-être pas vous montrer mon code. Mais voilà, donc on a hop, un code que j'ai mis exprès pour pas que n'importe qui l'utilise. Voilà, donc on a un compteur couleur où on a toutes les informations, donc le kilométrage total de la trottinette, le kilométrage de la sortie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps écoulé, le kilométrage restant, la vitesse maximum, la vitesse moyenne. Voilà, on retrouve un petit peu tout ce qu'on retrouve sur un VAE, un vélo électrique. Et on a plusieurs modes d'assistance. Donc le mode 0, le 1, le 2, le 3. Évidemment, plus on monte dans les modes, plus la trottinette a de performance et plus elle est rapide. Alors, le constructeur, il annonce 45 km/h en vitesse de pointe. Je vous avouerai que je n'ai même pas essayé. Moi, je suis très bien aux alentours des 30 km/h. Mais 30 km/h sans problème, elle n'est pas bridée. On peut la débrider, la rebrider directement au niveau du compteur. Il n'y a pas d'application, donc c'est une trottinette qui se pilote uniquement par le compteur. Voilà, donc conception relativement simple. Les passages des câbles, alors ici effectivement, bon, je pense que ça demande un petit peu de. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Les passages de câbles aussi qui sont peut-être un peu approximatifs, mais bon, je pense que ça sera réglé. Voilà, après, quoi dire de plus? À part aller rouler avec et puis vous en dire un peu plus une fois que j'aurai fait plus de kilomètres. Mais ah oui, 22 kilos, 22 ou 24 kilos, donc franchement, elle est hyper légère. Donc même si on a des petits escaliers, appartements avec petits escaliers à monter, on n'a pas d'ascenseur ou eh ben il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment pas lourd. Trottinette. Son prix, alors a priori, ça sera aux alentours des 1300 euros qu'elle sera vendue. Donc, à chacun d'évaluer si c'est cher ou pas, mais au vu de la qualité de fabrication, je trouve que c'est correct. Voilà. Et ben, on va les rouler avec, et puis moi, je vous dis à bientôt. Ah, la petite Crusade là, elle se débrouille bien en tout terrain. Hein. La Crusade. Il ouais, n'y a pas un bruit, y a rien, c'est super. T'as vu un lapin? Oh, c'est le pied. Non, on a l'impression qu'il n'a pas plu ici. Hein. À droite.